Démocratie veut dire le pouvoir au peuple. En grec, démos, c'est le peuple, et kratos, c'est le pouvoir. Dans un état de droit, celui qui établit les lois a le pouvoir. En démocratie, c'est le peuple qui écrit et vote les lois. Une aristocratie, c'est le pouvoir au meilleur. En grec, aristos, c'est le meilleur, et kratos, c'est le pouvoir. En aristocratie, ce sont les meilleurs qui ont le pouvoir et établissent les lois. Une oligarchie, c'est le pouvoir à un petit nombre. Oligos, c'est un petit nombre. En oligarchie, c'est un petit nombre qui a le pouvoir. En France, nous sommes sous un régime dénommé gouvernement représentatif. Tous les 5 ans, on demande au peuple d'élire ses représentants parmi un groupe d'hommes politiques, dénommé classe politique. Les représentants écrivent et votent les lois, pas le peuple. Nous sommes donc dans une oligarchie. Historiquement, le terme de démocratie pour désigner le gouvernement représentatif a été employé dans les années 1830 pour tromper l'opinion publique et faire croire au peuple qu'il a le pouvoir. Ce mensonge perdure encore de nos jours. Si nous étions en démocratie, nous voterions nous-mêmes les lois, par des votations ou des référendums, et nous pourrions aussi en écrire, en proposer. En France, les représentants du peuple sont des politiciens de carrière, pour beaucoup fonctionnaires et issus de classes supérieures, âgés de 60 ans en moyenne. Ils ne sont en rien représentatifs du peuple français. Une fois les représentants élus parmi l'oligarchie de la classe politique, les électeurs n'ont aucun contrôle sur la politique menée et la législation établie. Les représentants votent selon leurs opinions, leurs intérêts, leur complicité ou leur carrière politique. Ils sont la cible de groupes d'intérêts qui influencent leur vote. Les textes de loi sont dans 9 cas sur 10 rédigés par de hauts fonctionnaires non élus. Donner le pouvoir à un groupe d'hommes issus d'une oligarchie, ce n'est pas avoir le pouvoir, c'est désigner ses maîtres. Les partis politiques, apparus dans les années 1840, étaient un moyen de canaliser l'insatisfaction des électeurs dans des oppositions et des conflits sans conséquence. Car si les lois étaient votées par le peuple, ce qui définit la démocratie, il n'y aurait pas de manifestations, pas de grèves, pas de mécontentement ou de troubles sociaux. Le peuple serait souverain. Durant la Révolution, les riches avaient bien plus à perdre que les pauvres. Voltaire, figure emblématique des Lumières, disait ceci. Un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui, et le gouverne. Si le pouvoir était donné au peuple, il aurait défendu ses intérêts propres au détriment de la minorité des riches, des notables et des banquiers. Le gouvernement représentatif, en ne donnant aucun pouvoir aux pauvres, aux ouvriers et aux paysans, garantit la protection des intérêts des plus puissants et des plus riches. Aujourd'hui encore, le citoyen n'est qu'un électeur, un emprunteur et un consommateur. Il est informé par des médias inféodés aux grands groupes financiers et industriels dont ils sont pour la plupart la propriété. Le vote des lois par les citoyens, le référendum d'initiative populaire, ou la mise en place d'un parlement tiré au sort dans la population comme le sont les jurys populaires, qui sont des évolutions démocratiques élémentaires, sont systématiquement dénigrés dans les médias. L'Union européenne est une organisation soutenue à l'origine par les élites américaines pour éviter l'apparition d'une puissance concurrente en Europe de l'Ouest. Elle est néolibérale et structurellement antidémocratique. Si les peuples européens écrivaient et votaient eux-mêmes les lois de l'Union, Bruxelles ne serait pas la seconde place de lobbying après Washington. L'Union européenne est le royaume de Goldman Sachs et de la haute finance, dont les hommes se retrouvent à la tête de nombreuses institutions et même de certains États. Et nombreuses sont les carrières politiques se prolongeant dans le privé,
au service des lobbies ou dans les grandes entreprises. Ce que nous appelons des euros, ce qui est sur notre compte en banque, ce ne sont pas des euros, mais une dette en euros. Ce que nous appelons crédit, prêt ou emprunt, ce n'est qu'une création de monnaie temporaire. Ce que nous appelons démocratie n'est pas une démocratie, mais une oligarchie. Ce que nous appelons un citoyen n'est rien d'autre qu'un électeur. Ces manipulations du langage empêchent les intellectuels, les politiciens, les journalistes et les électeurs de penser le monde. Elles dissimulent avec habileté le pouvoir sans égal des corporations, de la finance et du secteur bancaire.